Aïe, maman. Eh, hey, non, 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 non. Il y avait match. Je dis que c'était chaud. Le combat était équilibré, je t'assure. Hey! Nos chambres là sont petites comme ça, mais les choses qui se passent à l'intérieur. Hey! Massa! Il me manquait seulement le paquet de pop-corn pour que je m'installe. Les filles l'ont livré un combat. 2 heures de temps. Et comme les hommes sont les salopards, le gars les a abandonnés dans la chambre. Il est lui sorti. Un gars foiré qui a faim devant nous chaque jour. Il réussit à tromper sa go qui le supporte dans la petite chambre là. Quand je te dis que les hommes sont les salopards. Hi! Mais sinon, je le comprends quand même. Tu parles comme ça parce que tu n'as pas vu la fille là. Je te dis que la tise là était belle. Ça explique quoi? Ça explique quoi comment? Oh, elle était trop belle, je te jure. C'est seulement que, bon, elle avait les pieds, ma bongo. Mais sinon, le bébé était bio. Elle était posée. Chimou, tu sais que moi aussi, j'ai les pieds, ma bongo. Jean, tu veux me dire que tu es aussi belle, c'est ça? En tout cas, c'est toi qui le dis, hein. Et je ne compte plus économiser cette beauté. D'ailleurs, j'ai trop hâte que la canne commence. Je change ma garde-robe, petite robe sexy. Je ne loupe aucun match parce qu'on ne sait jamais. Un de ces joueurs peut changer ma vie. Joyce, donc pendant qu'on a envisagé faire les commerces, pendant la canne pour avoir un peu d'argent, genre vendre les crêpes, faire les gâteaux verts ou jaunes, ou bien même mettre la peinture verte ou jaune sur les joues des gens pour qu'on ait les 200, 300. Toi, tu envisages d'aller te faire drago. Chimou, tu as l'argent pour ça. Mais tu as quand même l'argent pour partir acheter les petites robes sexy. C'est 2200, tu aimes. 2200, là, tu ne sais pas que ça nous achète déjà la farine, les œufs, le sucre, le lait, la levure. Chimou, je suis souvent fatiguée de tes leçons de morale. Hein. Tu es toujours en train de dire, montons ici, descendons là-bas, faisons ceci, essayons cela. Depuis qu'on fait tout ce qu'on voit là, ça nous amène où? On n'est pas toujours là en train de souffrir. Et pour combien? Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Hein. Je m'excuse, oh, maman. Mais moi-même, je sais que ma mère me dit toujours que ce n'est qu'une fois dans la tombe qu'on se repose. En tout cas, une de plus. À la Lucie, on va même gagner 5000 par jour. On a lavé combien de voitures depuis le matin? 2 seulement. Tous les gens de ce quartier lavent leurs voitures. Voilà ça qui a lié les sales sales. Il ne peut pas venir laver ça. On parle même de quoi? Depuis on a vu le vieux père de la maison s'est lavé sa voiture seule le matin. Non, le père, lui, il a fait faux. Aïe, maman, la laverie en passe de chez toi, mais tu te lèves le matin, tu laves la voiture seule. Ça, c'est la tête qu'on dit souvent que près de l'église, loin de Dieu. Ce genre de monsieur qui est le jour, il rationne à la maison. Il compte les morceaux de viande dans la mamite. Chima, Chima. Tonton, on lave, tonton, on lave. Bienvenue, on est là pour vous. Tonton, on lave. Oui, tonton, on est là pour ça. Bienvenue, tonton, bienvenue. Ah. Tonton, on a tout, le détergent, l'eau de Javel, le savon macabre, les cédés blanches même. Tonton, donne-nous le marché là. Tonton, le détergent, oh là non, ça va mettre le parfum là, dans votre voiture. Tonton, tout est devant vous, le meilleur laveur de la laverie. Ces deux femmes, ça vient faire vraiment avec les deux. Tonton, on a les licences professionnelles en lavage de voiture et possède le tapis intérieur. Taisez-vous, tonton, choisissez les gens qui vont laver ta voiture. Tonton, vous pouvez pousser toute la voiture dans les tapis, je retire. Bonjour les filles qui vont laver ma voiture. Passe. On vous laisse à la maison, venez un peu déranger à la vie. Vous ne pouvez pas nous laisser quand nous venons à ma place. Passe, c'est en route. La quoi? Tu dépassais quand ce que le monsieur choisit nos filles. Mais la solidarité des garçons est passée ou non, tonton?
Eh ben les filles, vous avez fait du bon travail, hein? Merci. Alors, combien ça fait? 2000. Alors, voilà les 2000. Merci. Et ça, c'est un bonus pour le bon travail. Merci beaucoup. Ça va comme ça? C'est bon? Très bonne journée, hein? Bonne journée, les filles. Au revoir, tonton. On vous attend ici encore. Demain, non. Demain, il faut encore venir demain. Et après, demain même. Joyce, on ne peut pas acheter le pain à haricots pour manger aussi. Moi j'ai faim. Chimou, le pauvre est pauvre parce qu'il veut être pauvre. On peut comprendre que parfois on n'a pas le choix avec nos deux, son croissant, on pas manger le pain à haricots, lequel peut nous constipe souvent. Mais aujourd'hui nous sommes l'hôte. On va manger quelque chose de consistant qui nous mérite. Viens, on va aller à un restaurant. Avec quel argent? Avec quel argent? Depuis le matin, on travaille quoi ici? C'est moi qui ai l'argent, hein? Je sais pas si tu as vraiment faim. Tu viens ou pas? L'homme mangera à la sueur de son front. J'ai travaillé, donc j'ai mangé. N'est-ce pas, tu ne voulais pas venir? Josh, mange d'abord. Tu vas expliquer après. C'est de ça dont je parlais. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui peuvent s'épuiser toute une journée, psychologiquement, physiquement, mais ne parviennent pas le soir à s'acheter un seul plat de nourriture. Hein? C'est la punition. Toi, au lieu de manger le vrai repas, tu préfères manger les herbes comme la chèvre, là. Sache que c'est notre seul repas de la journée, hein. Je suis une fille raffinée. Le bébé est bio. Donc, normalement, on doit consommer les choses comme ça, là, pour conserver le teint. En tout cas, j'espère que tu ne vas pas me dire après que tu as faim. Tiens, c'est bon appétit. Merci. Je le mérite. Explication. On a lavé 3 voitures et ça fait un total de 6000. Vous n'étiez pas là. À un moment, on avait faim et on a décidé d'aller manger. On a mangé 2000.
Ah, vous avez décidé. On l'avait fait. Ça ne se passe pas comme ça ici. Cette structure, c'est règle. Ceci dit, quand vous avez une voiture, vous avez droit à 500 francs. Pourquoi? Ce sont les règles de la maison. Donc, quand vous avez mangé, 2000 francs, vous me devez 500 francs. Aïe! Joyce, tu entends ça? Moi, c'est qu'en principe, à la laverie, quand tu laves une voiture, le client te paye. En fin de soirée, c'est toi qui décides de combien tu payes au patron. Hein? Donc, les 4 000 qu'on est venu avec, c'est pas respect. Et quand on venait avec les 4 000, on savait comment on va vous donner 1 000 francs. Et partir avec 3 000 sans stress. Et même les 1 000 francs, c'est pas respect. Parce qu'on s'est quand même dit que bon, c'est votre structure, c'est votre emplacement, ce sont vos locaux, vous avez le loyer à payer, il y a les impôts qu'il faut payer, ce sont vos chiffons, les savons, les seaux, et puis c'est votre eau qu'on utilise. Voilà. Et en plus de ça, le mètre cube de l'eau, c'est 350. Et on a même pas utilisé 100 litres d'eau pour faire quoi avec même d'abord. Juste qu'on vous doit 500 sur ça. De toutes les façons, on conseille les règles de la maison. Demain, la première voiture que vous lavez, j'en déduis mes 500 francs. Pourquoi? Quel demain? Tu dois croire. L'exploitation de l'homme par l'homme que vous faites ici, moi je ne suis pas dedans. Vous avez à brosser un bout de voiture là-bas pour savoir ce que ça fait. J'ai laissé mon dos là-bas, les bras me font mal à l'heure parce que j'ai brossé le bout de voiture avec les tapis ici là. Moi-même ta blessure. Hein. Bref, c'est quelque part. En tout cas, moi je ne viens plus ici là. Qui vous a d'abord appelé ici? Vous êtes venu de vous-même. Et on repart de nous-mêmes. En tout cas, mes 500. Que quoi? Quel 500? Tu m'as quoi? Il a dit qu'on va dénoncer l'embrasse au ministère du Travail. On va tout voler ici. Je vais saboter le nom de ma chaîne sur les réseaux sociaux. Je vais percer les roues. Je vais prendre les tuyaux, les seaux, les chiffons. Il va rentrer avec chez nous. Moi, je prends le détergent haut là. On va laver nos habits avec. On fout pas trop comme ça là. Do.